Salut à tous. Bon, comme vous avez pu le voir sur la partie 1 de cette vidéo sur la chaîne de la PNR Family, Teddy a eu un gros problème, on sait pas trop ce qu'il a, il est malade. Donc là on est arrivé aux urgences et voilà, en fait c'est de plus en plus bizarre, il a donc toujours de la fièvre, les points rouges sur le ventre et son ventre fait un bruit de voilà, c'est ce que je disais, de plus en plus bizarre. On a l'impression qu'il y a un truc dans son ventre, c'est dingue parce que oh là là là, là c'est vraiment bizarre. Ouais, on attend le médecin parce que là on se demande ce qu'il y a. Il faut vraiment sortir ce qu'il a dans le ventre parce que là c'est on sait pas du tout ce que c'est. Mais il y a un truc dans son ventre, c'est... Je sais pas, mais il y a un truc qui cloche, donc... Ah bah voilà, voilà le médecin. Bonjour. Bonjour. Donc... Voilà, alors, comme on le disait, il y a vraiment un bruit... Voilà, bah, regardez le bruit qu'il y a dans son ventre. Ouais. Voilà, c'est vraiment de pire en pire. Donc... Là, il va falloir la faire accoucher. Ah oui, d'accord, ok. Il y a vraiment quelque chose dedans. Oui, c'est ça, bah là, on entend bien qu'il y a quelque chose dedans. Mais on sait vraiment pas. Ah là là, c'est vraiment bizarre ça. On sait vraiment pas quoi. Est-ce que je peux appeler la famille pour qu'ils assistent Ah, vous voulez qu'ils assistent à la. Oui. Oui, si quand même. Si vous voulez, pas de soucis. Bon. Ouais, les enfants, voilà, il veut ses enfants, tout ça. Bah, c'est comme une naissance quoi. Donc, ça va ? Ça va, monsieur ? Ça va bien se passer, vous allez voir. Avec un oui, salut Val. Alors Anso, donne-moi des nouvelles. Et bah justement là, il y a le médecin qui vient d'arriver et en fait ils vont l'accoucher en quelque sorte pour sortir la bête qu'il y a dans lui. Donc vous pouvez venir assister. Ok. Voilà, comme ça tu seras la marraine du petit monstre qui va sortir. Oh, c'est trop choupinou. Voilà, ouais. Bon, je prends les enfants, je prends la voiture, on arrive. Ok, ouais, bon bah. Dépêchez, madame, parce que. Ça va pas trop attendre, hein. Ok, merci. Allez, à tout de suite. Vous allez m'aider, monsieur? Bon, ils arrivent. Il y a une bassine derrière, là, mais... Vous allez m'aider, hein. Je fasse, moi, je sais pas faire. Ah, ça commence vraiment. T'as dû avaler quelque chose. T'as avalé quelque chose, c'est pas possible. Oh là là. C'est en se réveillant le matin que ça s'est passé. Oui, c'est ça. Dans la forêt, il y a soin ce qu'il a. Ah, la forêt. Ah, mais oui, c'est peut-être dans la forêt. Une bête qui est. Putain. Il y a peut-être une bête qui est rentrée dans lui, dans la forêt. Je pense que c'est une bête qui est rentrée en lui et qui a germé. Oui, passe-moi. Bon, voilà, les voilà tous. Ah, bah il était temps parce que ça commence à être de pire en pire. J'en ai tout le monde. Ouais. Ça commence à être de pire en pire là. Non, il a ce qu'il faut, t'inquiète pas. Bah en fait, il dit qu'il y a une bête en lui, en fait, il y a un truc donc il va l'accoucher. C'est sûr, je pense qu'en dormant, il a avalé quelque chose et ça a germé en lui. Voilà. Alors peut-être hier dans la forêt. On va voir, on verra bien. Ouais, puis là, elle s'excite de plus en plus quoi. Là, c'est. Vous allez m'aider, monsieur? Vous pouvez lui lever un petit peu les jambes? Ouais. Vite, parce que là, il commence à être bien. On va lui ouvrir la vente, bien sûr. On va placer le seau. C'est un haricot magique. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Allez, attention, poussez-vous. Regardez, vous allez avoir un monstre frère. Dans la famille. Un petit frère. On est chez la famille Adam, cela. Là, c'est un peu bizarre. Là, c'est vraiment particulier. Allez, poussez, monsieur, poussez. Poussez fort. Médecin. Allez, encore. Je t'ai dit, pousse. Encore, allez. Ah, c'est quoi que ce monstre? Ah, mais c'est quoi? Vous avez vu ça, moi? C'est quoi ce truc? Oh là 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 là. Occupez-vous de lui, hein. Occupez-vous de lui. Ah oui, bah. Oh là là là. Oh là là, c'est quoi ce truc? Il avait ça dans le ventre. Mais merci. Est-ce que c'était une pizza? C'est quoi ce truc? Ah, ça va. En plus, ça commence à partir. Ah, en fait, elle piquait de l'intérieur, je pense. Ah, y a moyen. On va vous prescrire de la pommade. Oh, mais ça va bien se passer, hein. Vous avez vu? Regardez, lui. Ça va, monsieur? Ah oui. Ça va? Oh, merci, médecin. Ah ouais, là, c'était quelque chose, quoi. Et là, le médecin.
Ouais. Je pensais que c'était un médecin nul, mais en fait ça va. Non, ça va. Il a 42,4 de fièvre. Mais là, ça va aller mieux, là, je pense. Là, là il va aller mieux, vous pensez? Bah, il va aller beaucoup mieux, vous allez voir. C'était ouais. Quoi? Alors, c'était. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait du truc Mais là, le problème, c'est que dans l'hôpital, si le truc il se propage, ah ouais. Oh, il va falloir y aller. Hein. Et donc, faut appeler mon. Moi, je vous laisse. Alors, reste là. Reste là. Voilà, repose-toi. Repose-toi, Teddy. Repose-toi, Teddy. Là, c'est. Là, non. Ah, Philou, il nous a suivi jusqu'à l'hôpital. Regarde. Il est chiant. Mais c'est quoi ce chien? Il est trop fort. Mais il est trop fort ce chien. Je te jure. Bon, regardez comment ça commence à disparaître. Ouais. Eh, c'est incroyable. Bon, par contre, du coup, qu'est-ce qu'on fait de. Je sais pas où aller. C'est vrai? Non. Qu'est-ce qu'on fait de la bête? De la bête. Du truc, enfin, tu sais, de ce qui est qu'on sorti. On ne pas appeler, tu vois, un groupe spécial. Elle est là. Allô. Où ça? Ah bah. Oh. Vous allez devoir l'adopter, hein. Bah c'est quoi? Attends, je vais essayer d'apporter. Peut-être. Non mais peut-être juste qu'elle veut retrouver son papa. Mais Anso, c'est. Là tu prends des risques là. Ouais mais bon. Teddy. Alors, on a ton copain. Comment faire pour lui annoncer ça? C'est surtout ça. Parce que ça se trouve, elle cherche juste. Elle a dans le ventre. Ok, bah ça okay, c'est fait. Ça annonce rien, et moi je. Peut-être qu'il. Il va beaucoup mieux, hein. Du coup, j'ai annonce à faire, tu vois, tu demandes à Amy. Voilà, c'est ça. Je pense que de toute façon, on n'a pas le choix de l'adopter, ce machin. C'est dégueulasse, tu vois pas. Ouais, c'est chaud. Ah, je sais, mais j'en fais quoi? Bah ouais, déjà t'es à l'aise à le prendre dans ta main. Tu veux que j'en fasse quoi? C'est. Bah tu mets à la poubelle. C'est quoi? Il veut savoir ce que c'est. On le découpe au canapé. Alors. SPA, non, c'est quoi? C'est ce qui était dans ton ventre. Oh là là. Attends, il a faim à la WC. Il a faim à l'aise. Mais t'es juste sur deux. Bon, bah moi je croyais que. Bon, fais disparaître ça. Fais disparaître ça. Allez. Fais disparaître ça. Allez vous débarrasser de ça, les gars. On le repose. On va le reposer. Ouais. On va lui dire que c'était. Non, je sais. Quand il se réveille, on lui dit que c'était un mauvais rêve. Ouais. Voilà. Ouais, il a juste fait un malaise et c'était un mauvais rêve. Ouais, allez-y, remettez-le sur le. Un cauchemar. Le canapé. Ouais, c'était un cauchemar. C'était, voilà. Il a fait un cauchemar. Alors attention. On va lui dire ça. Deux. T'es à l'endroit. Il faut le mettre un petit peu dessus. Voilà. Hein. Non, comme ça. Va lui chercher un petit peu. Non, regarde. Ah, bonjour. Ça va? Ouais. Donc tu sais où t'es là? J'ai une mal au ventre. C'est normal, tu sais je viens d'ouvrir le. On a dit quoi? Non, il a trop mangé hier. T'as trop mangé hier? C'est qui ce monsieur le médecin? Bah en fait il t'a donné des traitements parce que t'as trop mangé hier. Ouais, t'avais mal au ventre. Et je pense que t'as dû faire des cauchemars parce que t'étais très. Tu bougeais beaucoup. D'accord. Donc t'as dû faire des cauchemars et mais là ça va mieux. Un cauchemar, une bête géante. Une bête géante? Ah ouais? Ah ouais? Non, mais écoute, mais attends, tu regardes trop Netflix. Ouais, c'est ça, tu regardes trop la télé, trop les films et tout là. C'est trop de films d'horreur, c'est tout. C'est ça. Là faut arrêter les films d'horreur. Ça va mieux là? Oui. Là ça va mieux. Bon bah tu vois t'as fait un mauvais rêve, là ça y est c'est fini. Quelle histoire. Ça va mieux. Ouais, les cauchemars ça peut aller loin. Ouais les cauchemars, tu te croyais dedans? Oui. Ah ouais. Bah souvent les cauchemars. Ouais souvent, souvent c'est ça. Hein. Ouais. C'est souvent comme ça. Bon bah en tout cas ça va mieux, c'est le principal. Voilà. J'ai envie de vous dire, on va se laisser sur cette note positive. Yes. Et puis merci à notre cher médecin qui lui a donné des points pour aller mieux. Et puis voilà. Voilà. Hein voilà. Bon alors et ben voilà, vous avez des nouvelles et maintenant on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Gros bisous.